Bonjour. Ah bonjour, mon petit papouette. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de la chanson Sunday Bloody Sunday. T'es-tu prêt? C'est parti. Allez, on va chercher notre guitare et c'est parti. Dans la première vidéo, on avait donc vu l'intro. Et aujourd'hui, on voit les accords. Alors, je te les montre rapidement. On cherche un si mineur, on cherche à jouer un si mineur. Donc, tu vas trouver un si sur ta corde de la. Corde de la ici. Note de la. Un ton plus loin, deux cases, on a un si. Tu fais un barré. Et avec les doigts qui te restent, tu vas jouer un la mineur. Forme de la mineur. Gratte pas la corde de mi, on commence par le la. Voilà. Étant donné qu'ici, je suis sur un si, ça me fait... un si mineur. Très bien, le suivant c'est un ré. Un ré, tout ce qu'il y a de plus ré. Donc avec l'index corde de sol, le majeur corde de mi et l'annulaire corde de si. Et on commence à gratter par la corde de ré. Très bien. Ensuite un sol, majeur corde de mi, troisième case, index corde de la, deuxième case, et majeur et petit doigt sur corde de si et mi, troisième case aussi. Et là, on gratte tout. Enfin, on peut tout gratter. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On joue deux temps sur le si. Deux temps sur le ré. Et quatre temps sur le sol. 1, 2, 3, 4. Main droite, tu t'embêtes pas. Moi, je vais faire quelque chose de un peu comme dans la chanson, de ce que ça m'inspire moi. Maintenant, toi, tu t'embêtes pas. Si tu veux, tu fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, le but, c'est vraiment de travailler la main gauche. Si tu veux travailler la main droite, tu peux éventuellement faire 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 3 et 4. Grave, grave, aigu, grave. Et si tu veux travailler encore plus, quoi, j'encourage énormément à plutôt aller écouter ce qu'ils font dans la chanson, à voir comment tu te débrouilles à le faire ou à faire comme moi dans ce que je vais faire ensuite. Comme d'habitude, il y a trois tempos, très lent, lent, moyen. J'en rajoute un quatrième, c'est le tempo de la chanson, la vitesse de la chanson habituelle. Thank you.
Eh ben voilà, bravo, ça y est. T'as joué de la guitare aujourd'hui, ça c'est cool, on en veut plus des trucs comme ça. Très très bien. Dans l'espace commentaire, tu peux y aller pour écrire ce que t'as ressenti en jouant ces accords-là. Qu'est-ce que tu ressens après avoir réussi, jusqu'où t'es allé. Et puis si t'as besoin de plus de détails, vas-y, pose-moi les questions aussi en commentaire. T'as mon sujet de la main droite si ça t'intéresse. Pour soutenir ce qu'on fait ici, il y a des choses toutes simples que tu peux faire. Donc on a dit écrire un commentaire, mettre un like, t'abonner et activer la cloche, comme ça t'es prévenu des vidéos qui sortent. Et partage aussi cette vidéo à quelqu'un que tu connais que ça peut intéresser. Bon bah voilà, je vous dis bonne journée et à bientôt. Au revoir mon petit papote.